africains, certes. On a du mal à être cru par d'autres pays, entre guillemets, dit développés. Et nous avons des solutions ancestrales à notre niveau qu'on a toujours utilisées. En République démocratique du Congo, lorsqu'il y a des cas comme le coronavirus, nous avions nos pratiques. C'est ce que je recommande. Une plante ici en République démocratique du Congo qui peut être utilisée pour soigner le coronavirus. Je l'appelle dans ma langue Congo Bololo. Avec l'apparition du coronavirus en RDC, les habitants de Kinshasa se tournent vers les plantes médicinales, en particulier le Congo Bololo ou encore Vernonia amygdalina. Sur le marché central de Gombela, les habitants se ruent sur les étals des pharmacies traditionnelles. En cas de fièvre ou de toux, on leur conseille de prendre ces plantes. Le Congo Bololo, le Lumba Lumba, le Tchitchitimba, le Sinti. Il faut les faire bouillir ensemble et tourner dans la marmite afin d'inhaler la vapeur de ces plantes pendant 3 jours. Et après ça, le patient se sentira mieux. Faute de vaccins ou de traitements efficaces de la médecine occidentale, les Africains veulent participer à la recherche de solutions. Nous avons toujours soigné des maladies dont les symptômes s'apparentent à ceux du coronavirus, explique cette tradipraticienne.